I'm going to step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
à un âge où il faut déjà que je décide que faire de ma vie et que je choisisse la personne que je veux être. Je peux pas me laisser aller et juste être moi-même, parce que lorsque je ne réfléchis pas, je prends de mauvaises décisions. Je peux pas me fier à mon intuition, je dois réfléchir à la meilleure manière d'être possible. Pour savoir que faire, il faut que je suive des principes comme la justice, la morale, la bonté, l'agréable, la vérité, la beauté, etc. Il faut que je suive les vertus pour être vertueux, en fait. Sauf que les vertus sont relatives à la culture, et même relatives à chacun, dans certains cas. Des millions de personnes ont déjà réfléchi à la question du fondement de ces principes, et plus je m'intéresse à leurs réponses, plus je me rends compte de l'immense diversité des bonnes réponses. Tout le monde a raison, et personne n'est d'accord. Si je dois choisir la définition de l'un, je me placerai alors contre l'autre. J'ai peur de faire ce choix, au risque de commettre une erreur. Je ne peux pas fonder ces principes tout seul non plus. Ce serait prétentieux. Peut-être qu'on ne peut pas trouver de réponse objective, parce que la morale, la justice et toutes les autres vertus sont des inventions humaines. Dans le sens où on ne trouvera pas dans la nature un référentiel objectif sur lequel se baser. Par exemple, l'univers n'est ni juste ni moral, il existe, c'est tout. Et quelque part, le fait que l'univers existe sans raison est effrayant. Nous n'avons aucune raison d'exister. Et dans des milliards de millions d'années, nous allons tous disparaître avec l'univers, et là encore, il n'y aura pas de raison. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de lien entre la réalité et la logique humaine. En conclusion, je ne peux pas comprendre la réalité. Je suis face à une contradiction logique. Je ne saurai jamais que faire parce qu'il n'y a rien que je dois faire. Je ne pourrai jamais être sûr de bien faire parce que je ne peux pas bien faire. Je ferai des erreurs, quoi que je fasse. Du coup, j'essaie d'oublier tout ça. Pour mieux vivre, pour être heureux. Mais très vite, le questionnement revient parce que j'en ai besoin de tous les jours. Pour pouvoir agir, pour choisir, pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. Je dois trouver une réponse, et je ne peux pas. Et le paramètre mesquin qui se rajoute à cette contradiction, c'est qu'elle est permanente. Elle revient sans cesse. Je ne peux pas faire semblant de ne pas la connaître. Je ne peux pas l'ignorer. Elle est inoubliable, omniprésente. Le temps court trop vite. La pression du temps qui s'écroule. Je n'ai pas le temps de résoudre le problème. Bien au contraire.
Thank you.